Si ta mère la prend, bonjour la réputation dans l'immeuble. Bon, tu me le files? Écrase-le, je suis sûr que c'est elle. Pourrais pas se rouler un petit dernier? Ah non, pas question. Oh, s'il te plaît. Oh, ça va? Ça va, Joseph? J'ai pas envie d'y aller. Et puis, j'en ai marre d'être portugais. Quoi? C'est la plaie. Ils sont petits, rablés, ils parlent mal. C'est horrible de dire ça. Il faut pas dire ça, José. C'est mais du racisme. José. Faut être fier de ta culture. C'est pas toi qui dois vider la poubelle tous les jours. Quand on sera grand est une comédie avec un personnage principal qui est Simon, qui est moi-même, enfin qui est interprété par moi-même, autour duquel il y a beaucoup de personnages qui sont ses amis, sa famille, ses voisins, son père, sa grand-mère. Et tout ce petit monde-là évolue dans un milieu urbain. Et ils ont chacun leurs petits soucis. Et la particularité de Simon, c'est que c'est un garçon sympathique qui essaie de résoudre les problèmes des gens, qui est empathique et bourré de bonnes intentions. Mais comme c'est une comédie, et ben ça tourne systématiquement à la catastrophe. C'est pas une comédie de gag, mais c'est plus un film humoristique, où en même temps, sont abordées comme ça des choses un peu graves, mais sur un ton toujours un petit peu décalé, qui fait qu'on va... Il y a parfois des moments d'émotion, mais on va jamais trop loin là-dedans. On essaie de trouver un équilibre entre, disons, la comédie et les moments un petit peu moins drôles, quoi, disons. C'est vrai que son visage est assez changeant, c'est-à-dire qu'il peut avoir plein de physionomies différentes à des moments différents. Voilà, c'est ça. Je l'avais vu dans Quasimodo, d'ailleurs, la première fois, il m'a surpris. Mais c'est moins quelque chose comme ça d'extérieur que plutôt effectivement un truc plus intérieur, de comme ça, de sensibilité, de fragilité, de quelque chose qui m'a plu au niveau de ce qu'il pouvait dégager. C'est la première présentation à Paris, mais il y a eu quelques avant-premières auparavant qui se sont bien passées, donc on est content et confiant. Tu trouves ça comment, les femmes enceintes? Comment ça, comment? Physiquement. Bah, ça dépend de la femme, enfin en général je trouve ça plutôt beau. D'ailleurs, on sait pas où elle est, Amira. Si, elle est passée d'ailleurs. Ah, on arrive. Bah, ça s'est bien passé, elle joue une femme enceinte. Elle est assez impressionnante. Hein. Bonsoir, bah, merci beaucoup, je suis... Et je voudrais partager cette récompense avec Renaud, que je remercie pour sa confiance, et avec tous mes petits camarades de jeu du film Quand on sera grand. Voilà, c'était vraiment bien, et merci.